mes amis, ravi de vous retrouver à quelques heures du réveillon de cette fin d'année 2019. Voilà, j'espère que vos fêtes se passent bien, que vos vacances se passent bien également, que vous avez été gâtés pour Noël. Pour ma part, j'ai été voilà, très très gâté, j'ai eu plein de beaux nouveaux robots. Que nous découvrirons ensemble donc euh, bah, pour euh, la nouvelle année 2020 qui, qui s'annonce. Voilà. Donc euh, pour cette nouvelle revue, je vais vous présenter donc pour mon plus grand plaisir un petit coup de cœur que j'ai eu. Donc à savoir un robot d'une série Super Sentai appelé Giant Saver 2 Space Dileter Solar Saver. Voilà. Euh, petite euh, série Super Sentai chinoise, et oui, ça change un petit peu des, des séries euh, japonaises. Et euh, on va découvrir ça tout de suite, donc, dans cette revue, à quoi ressemble un petit peu ce petit robot euh, Solar Saver. Ouais Bonne revue, les mecs Passez un excellent moment Et bonne découverte avec ce vraiment super, extra, giga, méga, robot de la mort qui tue Voilà, bon, moi, je vous dis à tout à l'heure Allez, bonne revue Tchuss Et voici tout de suite, donc, un petit aperçu de cette boîte très encombrante, euh, puisque, voilà, la boîte est proposé avec le robot sous sa forme bah robot tout simplement. Donc voilà, le robot étant de taille conséquente, la boîte l'est également. Donc du fabricant chinois Oli qui est vraiment un fabricant qui propose des jouets de très très bonne qualité. Donc à savoir qu'il s'agit Ici, euh, de la réédition sortie donc cette année en 2019, donc du jouet qui est à l'origine, tout comme la série, était sortie en 2014. Voilà un petit peu. Donc pour la façade principale sur la, tra la tranche latérale droite, donc nous retrouvons voilà deux autres robots qui viennent euh, compléter cette team pilotée donc par plusieurs euh, plusieurs personnages donc euh, Super Sentai. Voilà donc ces deux robots euh, donc qui s'appellent. Star Saver pour celui-ci donc qui est composé d'une foreuse et d'un petit vaisseau spatial ainsi que le Uranus Saver donc celui-ci qui quant à lui donc est un bateau euh, une sorte de grand paquebot euh, volant voilà assez futuriste avec une tête de dragon donc très 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 sympathique et on peut se rendre compte que que chaque robot peuvent fusionner entre eux mais et peuvent également Former un méga robot, donc les trois assemblés ensemble, donc peuvent former un méga robot de la mort qui tue, qui doit être ma foi fort, fort impressionnant en termes de taille. Donc voilà, je pense m'acheter les autres par la suite. Hein, Celui-ci m'a vraiment conquis. Et au dos de la boîte, voilà un petit peu donc le produit commercial, les possibilités. Hein, on nous indique voilà que c'est combinable, les modes véhicules, différents modes proposés, dont le mode robot. Et sur la tranche latérale gauche, donc nous retrouvons à nouveau d'autres robots. Cette fois-ci, donc euh, de la première série, hein, de la série euh, Giant Saver 1, Voilà. Donc euh, la série 1, la série 2, et euh, on aperçoit aussi que tout ce petit monde peut se combiner entre eux. Voilà, qui est ma foi fort intéressant. Donc voilà pour la boîte, et nous y retrouvons bien évidemment la notice. Et voici donc pour commencer un petit 360 du premier véhicule, donc à savoir le RCV-1 AKA Rising Arrow Rocket piloté par Force Rouge. Voilà donc euh, rien de, de particulier à dire dessus, les finitions sont très propres quelques petites couleurs brillantes glossies du plus bel effet. Voilà, quelques petits stickers avec un symbole, on reviendra dessus tout à l'heure. Voilà, ce petit logo juste ici qui représente donc le sigle de la team dans un rouge translucide tout ciselé, tout travaillé, vraiment très très sympathique. Donc petite fusée spatiale puisque c'est le thème de cette de cette équipe. Nous retrouvons ensuite donc euh, le véhicule piloté par Force Bleue, donc à savoir le RCV2 Blue Sky Transporter. Voilà, donc qui est comme vous pouvez le constater hein, tout simplement le véhicule terrestre qui permet donc de pouvoir transporter euh, la fusée euh, de entre guillemets Force Rouge. Voilà, très très sympathique véhicule, euh, très futuriste et aussi euh, comme vous pouvez le constater plutôt très très euh, encombrant. Voilà. Et pour finir, donc le RCV3, qui est le troisième et dernier véhicule de cette première team, donc piloté par Force Rose, aka donc le Pink Dream Fighter. Voilà petit vaisseau plutôt très fun qui n'est pas sans me rappeler euh, euh, un vaisseau d'Ultraman, un petit peu dans, 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 dans cette dans cette dans cette forme. Et attardons-nous d'un peu plus près donc sur les quelques petits détails plutôt super sympas donc de notre Rising Arrow Rocket. Voilà donc en gris et rouge, avec comme je vous le disais donc voilà un superbe symbole juste ici en plastique rouge translucide euh, avec des petites euh, des petites gravures à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, mais vraiment les finitions sont très sont très sympas. Nous retrouvons ici euh, le symbole euh, astronomique de Mars. Voilà un peu pour les détails les petits réacteurs voilà fusée plutôt très grande hein, parce que voilà je vais vous mettre en comparaison à côté euh, mini moi donc dans sa dans son dans, dans son exosquelette et on peut voir vraiment que, que la fille la, 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 le vaisseau la fusée est quand même très 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 très, très euh, impressionnante Petit tour, à présent, donc, de, du Blue Sky Transporter, donc, piloté par Force Bleue. Là encore, très très bien réalisé, véhicule plutôt très futuriste. Avec du gris, on a le plaisir de retrouver donc euh, du rouge translucide pour la partie lance missile juste ici, les phares également donc en rouge translucide ainsi qu'à l'avant donc sur le sur le pare-choc. La cabine est en plastique gris translucide également. Donc voilà très très sympathique finition. Voilà ce que ça donne un petit peu de côté. Hein. Donc le, le, le véhicule a vraiment une grande envergure avec encore pas mal de détails en, en gold juste ici en, en doré euh, métallique. Euh, les roues et chenilles, donc qui sont fixes mais qui comportent voilà des petites roulettes pour le faire avancer euh, comme il se doit. Et sur celui-ci donc nous retrouvons euh, le symbole euh, astronomique de Mercure. Voilà un petit peu. Voilà, on peut noter également donc tous les petits détails hein, euh, qui sont euh, qui sont moulés euh, sur la structure de transport. Voilà vraiment véhicule plutôt très sympa, bien réalisé et surtout très lourd en main. Et on termine les présentations donc avec le Pink Dream Fighter. Voilà, petit vaisseau comme je vous le disais qui me fait penser un petit peu au vaisseau d'Ultraman. Donc plutôt là encore très très bien réalisé avec du, du rose métallique ou légèrement brillant et glossy. Voilà, les panneaux ici sont en, en bleu translucide du, du plus bel effet avec là encore des petits voilà plein de petites moulures à l'intérieur. Le cockpit et translucide, là aussi, vraiment absolument superbe. Là encore, nous retrouvons donc du doré euh, métallique. Nous retrouvons donc euh, le symbole euh, astronomique euh, de Vénus. Voilà un petit peu ce que ça donne. Et le, de, le dos n'est pas sans reste puisque nous avons également donc les propulseurs, les petits réacteurs. Voilà, véhicule vraiment très très bien fichu et qui malgré sa petite taille, enfin petite façon de parler, euh, là encore fait son point. On a vraiment affaire à du plastique extrêmement robuste. Donc à savoir que le Blue Sky Transporter nous propose un petit gimmick, ma foi plutôt très sympa, puisqu'il est possible, voilà, en faisant basculer cette partie-là, voilà, vous positionnez ça comme ceci, et donc cette partie-là, se transforme. En lanceur de fusée voilà juste ici avec la petite passerelle d'accès à notre fameuse fusée voilà un petit peu ce que ça donne hein. c'est vraiment voilà c'est vraiment très très encombrant gros display et euh, je trouve que l'idée est quand même vachement bien pensée et sachez qu'il est possible donc de pouvoir euh, stocker tous les véhicules euh, donc sur notre rcv2 donc pour cela vous avez voilà, des ergots ici et des mâchoires juste à l'arrière avec juste ici, voilà, un petit trou qui permet de pouvoir bloquer l'avant de la fusée. Donc, nous pouvons positionner notre fusée sur son transporteur. Voilà, qui est plutôt, plutôt très, très joli, très bien pensé. J'adore, je trouve ça vraiment superbe. Et nous pouvons également aussi venir ajouter. Alors, je vais mettre ça comme ceci et nous vous pouvons venir ajouter, donc le troisième petit véhicule et voilà un petit peu donc le trio réuni et petit 360 à présent donc de notre ré... de notre trio pardon euh, réuni voilà je trouve l'idée vraiment excellente on a vraiment une rejouabilité tout à fait intéressante le produit a été très très bien pensé et surtout est très très fidèle à la série euh, que vous pouvez retrouver. Hein, moi j'ai regardé le, quelques épisodes, mais voilà, tout, vous avez quasiment toute l'intégrale donc de disponible sur YouTube. Voilà donc quelque chose de vraiment voilà vraiment excellent. J'adore tout simplement. Et passons à présent donc à la transformation qui est juste voilà un pur régal du bonheur très très bien travaillé. Euh, que dire? Que dire Alors bien sûr, on retrouve les caractéristiques communes à de nombreuses séries Super Sentai, donc à savoir que voilà, il y a un petit peu de, de, de part forming, mais mis à part ça, donc euh, l'ingénierie le, 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 qui a été réalisée dessus est juste très plaisante. On a un plaisir fou à s'amuser à le transformer. Donc pour commencer, vous allez prendre les chenilles latérales, les rabattre comme ceci. Ensuite, vous venez voilà, remonter, rabattre et loquer. Ce qui va venir former les jambes. Vous séparez ces dernières en deux. Vous mettez en place les pieds. Vous sortez les genouillères et nous avons déjà. Alors, je vais essayer de réduire un petit peu l'image et nous avons déjà donc le bas de former. Dernière petite chose. On abaisse cette partie-là pour avoir les feux à l'avant. Et également, donc, le connecteur du torse apparent. Voilà un petit peu. Donc, pour le bas. On passe ensuite avec la fusée. Donc, qui est composée de trois éléments. Alors, nous allons venir déloquer le premier. Hein, et on voit que le système de clips et d'ergot est vraiment très très bien pensé. Aussi robuste que les plastiques. Il faut, il faut ce qu'il faut. Donc, cette première partie-là que l'on met comme ceci. Ensuite, nous venons Détacher ce bloc-là. On le sépare. Il vient se greffer grâce aux petits ergots qui se trouvent ici de chaque côté. Ensuite, vous étirez ce qui va venir former le bras droit et le bras gauche. On sort les connecteurs comme ceci et comme cela. Nous avons ensuite, voilà, la partie du buste avec la tête. Donc, nous allons à présent pouvoir fixer et loquer. Alors, hop, fixer et loquer les bras, et ça tient du feu de Dieu. Ensuite, nous allons pouvoir greffer le buste. Alors, je vais prendre un petit peu de hauteur. Le buste au bas, comme ceci. Voilà un petit peu. Et donc nous avons une première configuration. Alors je vais essayer de réarranger un petit peu ma caméra rouge. Voilà donc nous avons déjà une première configuration. Et on peut faire tout de suite un petit zoom. Alors je vais à nouveau modifier mes réglages. Faire un petit zoom sur le visage qui est vraiment excellent. Voilà. Avec donc le visage en gris. Les yeux. En rouge et l'intégralité du casque en plastique translucide rouge, ce qui fait que nous avons alors je sais pas si vous allez voir quelque chose, hein, mais voilà, nous avons un light piping de toute beauté, c'est tout simplement magnifique. Et nous pouvons passer à présent donc à la dernière configuration. Donc vous prenez voilà le petit robot de force rose, vous faites basculer vers l'arrière, l'avant du véhicule, comme ceci. Vous avez là encore plusieurs clips qui vont vous permettre de pouvoir se fixer comme ceci et former le casque de combat du Solar Saver. Et ensuite, vous déloquez l'avant des ailes et vous les rabattez comme ceci. Voilà, on a déjà quelque chose d'absolument magnifique. Et ensuite, donc, vous prenez la base de la fusée qui lui sert, qui lui fait office d'arme et vous venez la loquer ici et de chaque côté des ergots. Et voilà notre Solar Saver transformé. Admirez un peu cette bête. Alors là encore, je vais essayer de faire euh, une petite mise au point sur le visage, hein, qui une fois paré de son casque est tout simplement euh, bluffant. Admirez un petit peu donc, les, les, les finitions de l'ensemble, avec tous ces plastiques translucides de différentes, euh, de différentes couleurs, hein, qui habillent euh, de façon absolument magnifique ce robot. Voilà, très très euh, très très beau. Petite chose que j'ai oublié Lorsque vous êtes à cette étape-là, vous pensez à rabattre les réacteurs dorsaux qui font office, je présume, de backpack. Hein, voilà un petit peu donc pour le robot. En niveau des articulations, alors on a quelque chose. Voilà, c'est pas non plus, euh, c'est pas non plus euh, le Pérou, mais bon voilà, c'est quand même pas mal. Donc on a la possibilité de pouvoir voilà orienter de haut de l'avant vers l'arrière, les bras. Et puis donc nous avons petites articulations au niveau des jambes si vous voulez les avoir rapprochées ou éloignées et puis les pieds que l'on peut voilà, lever et baisser comme ceci. Donc hein, c'est vraiment sympathique. Et puis donc petite euh, petite chose pour terminer puisqu'il est pourvu donc d'un gimmick et d'une arme euh, voilà, dévastatrice. Et pour cela, donc vous prenez l'extrémité du bras, vous déployez de fa... les côtés donc de façon à sortir complètement son arme. Alors pas de son, pas de lumière, pas de système électronique. Hop là Et voilà donc notre Solar Saver muni de son canon laser de la muerte. Voilà de quoi faire bien bobo oh méchant vilain pabo et petit 360 à présent donc de notre solar saver, euh, voilà, constitué. On peut apercevoir donc les nombreux détails, finition, pas de jour, pas de creux, pas de vide. Tout est vraiment bien pensé. Le robot est extrêmement lourd, pas de métal, hein, pas de pièces métalliques. Mais, mais voilà, le robot est super lourd, euh, super robuste, les plastiques sont denses, sont costauds. En termes de qualité, comment vous dire, alors je vais essayer de rester objectif mais c'est pas évident pour le coup, parce que si on compare un petit peu avec euh, ce que Mondai a fait euh, ces dernières années euh, en, dans le domaine du Megazord, euh, pour moi c'est voilà, c'est du pipi, c'est caca, c'est à chier, euh, c'est des plastiques tout merdiques, tout fins, les transformations euh, sont bidons. Euh, les modes véhicules ou animaux euh, ça ressemble pareil c'est bâclé c'est fait euh, c'est fait voilà sans, sans amour sans, sans sans précision sans finition on est bien bien en deçà de ce qu'on a connu avant avec les Megazords et les jouets bandai euh, pour dire à tel point que bandai à côté de cette version chinoise Oldie, euh, me fait penser maintenant à du bootleg là on a vraiment quelque chose d'extraordinairement de, lourd robuste Bien articulé, bien pensé. Le mode robot est magnifique. Les autres ont l'air sympathiques aussi, et je présume qu'une fois transformé, ça doit être vraiment une fois les trois réunis, ça doit vraiment former un sacré, un sacré colosse. Et pour vous donner une, un, un ordre d'idée donc concernant l'échelle de sola, de ce Solar Saver, on peut le comparer donc au, au Turbo Ranger Megazord de Power Ranger, qui pourtant était déjà très très grand. Et là, on se rend compte que voilà, il fait encore tout petit par rapport au euh, par rapport à la version oldie. Et si je rajoute donc mon mini moi, voilà, mini moi est juste ridiculement petit. Ouais, Tu d'abord, mec. Toi d'abord. Non mais du nom De quoi je me mêle Voilà, les petits amis, c'est ainsi que s'achève cette revue du jour consacrée donc à ce somptueux Super Sentai Giant Saver 2 Space Deletter Solar Saver. Pour celui-ci. J'espère que cette revue vous a plu, vous a permis de découvrir vraiment une figurine que, que je trouve excellente, euh, du grand bonheur. Hein, comme je le dis et je le répète, euh, si on compare hein, par rapport à ce que du Bandai officiel américain peut faire aujourd'hui dans le domaine des mégazors, c'est-à-dire de la grosse merde avec des plastiques de merde, euh, super légers, super fragiles, sans intérêt, moches, etc., etc. Voilà, qui, 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 qui font passer tout simplement Bandai Américain aujourd'hui pour du bootleg comparé à ce personnage là voilà c'est juste du bonheur c'est lourd c'est robuste les finitions sont, sont sympas on n'a pas 50 000 stickers mais vraiment de la peinture alors certes pas de métal mais voilà au vu du plastique et de la, la, la densité des plastiques on a un truc vraiment super costaud, donc un véritable coup de cœur pour moi. Voilà donc je bah je vais pas prendre plus de temps de votre temps, les fêtes approchent à grands pas, vous allez certainement vous préparer, je ne sais pas si cette revue sera beaucoup regardée, mais bon, voilà. Le plus important c'est que moi je me suis amusé et que je vous ai quand même proposé pour moi un coup de cœur. Euh, je vous remercie hein, pour tous, je, vous, je remercie tout le monde vraiment pour m'avoir suivi euh, au cours de cette année euh, 2019, m'avoir boosté, m'avoir encouragé, m'avoir conseillé, m'avoir permis de m'améliorer. Euh, j'ai gagné quasiment, ouais, j'ai gagné un peu plus de 300 abonnés cette année. Euh, voilà, je suis pas loin des 900 abonnés. Maintenant, je vise forcément les 1000 pour 2020. Donc j'espère que ça se passera bien. Passez de bonnes fêtes. Euh, Amusez-vous bien, profitez-en bien. Euh, si vous êtes bourré, restez dormir chez des amis ou faites-vous accompagner, mais prenez pas le volant, faites pas cette connerie, ça serait vraiment dommage. Voilà, pour ma part, je vous embrasse très très fort et je vous souhaite une bonne et excellente année 2020. Allez, plein de bisous les petits amis, et sachez que quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie, et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, bye bye, tchuss Moi, euh... Eh bien, on n'a pas encore fêté la nouvelle année qu'il est déjà fait comme une queue de pelle, lui. Ah, bah ça promet. Euh... Bon, heureusement, il dort ici. Euh... Oh, oh, dégueulasse. One shall stand, one shall fall. Why throw away your life so recklessly?